Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Le premier ministre Joseph Jout visite samedi 6 mars là dans le département Sud pays. C'est plusieurs constructions réservoirs de l'eau. Premier ministre l'a visité dans la commune Sayo, côté avancement quelques dans le travail, arrivé jusqu'à 95%. Premier ministre Joseph Jout félicite les responsables du Népal pour le travail qu'a réalisé pour capable de satisfaire les autres populations. Visite dans le département sud-là, ça rentre dans sa nouvelle cohésion gouvernementale. Premier ministre est responsable pour piloter le gouvernement, mais il faut qu'il supervise le travail que chaque ministère a fait tout pour au moins nous délivrer les marchandises que nous supposons délivrer. Et profiter de tout, visiter plusieurs autres projets, tant que projet ça, son projet d'envergure, et me rendre compte que je n'ai pas gagné un pile travail à faire à travers le pays, parce que je me dis que visiter plusieurs ouvrages déjà que je n'ai pas fait, et m'a profité et présenter félicitations à je n'ai pas avec tout staff qui a travaillé dans le pays. Je n'ai pas travaillé pour Gramercy, je travaille pour une population, et franchement, le gars de Samfel, ça a fait. Comme travail, mais vraiment émerveillé par la qualité du travail. Premier ministre Joseph Jout visite le travail et construction qu'a réalisé sous place d'âme à Kenyan, yon l'école professionnelle dans la commune Koto, à qui un périmètre irrigué, ministère agriculture a réalisé dans la commune Les Anglais. Premier ministre Joseph Jout déclare la population Sidla satisfait en pile pour réalisation gouvernement li en fait. Il y a plusieurs communes en deux départements. Je suis extrêmement satisfait parce que l'homme vini là, pour nous garder pour une infrastructure comme ça, là-bas, tout nous sommes visités. On a l'autre structure qui pratique le même genre. Vous avez rempli l'autre bois déjà prêt pour alimenter la population. Mais chaque fois que vous mettez le rivière à caser, mais c'est bassin versant qui est maltraité. Tout le temps, pas investi tout dans le social, nous pas investi, nous pas penser macroéconomie. Nous avons continué à couper pied bois, ça veut dire qu'il faut que nous investissions tout. Ça, c'est ministère agriculture avec ministère environnement. Quatre travail pour ministère tourisme, parce que préparer de l'eau, c'est lui qui peut l'utiliser encore dans l'hôtel, dans ceci, dans cela, dans toute infrastructure. Et il faut qu'ils travaillent ensemble pour reboiser le pays, mais pour faire des forêts énergétiques. Travail construction réservoir de l'eau Sayo a fini avant longtemps d'après directeur général du NEPA, Guito Edouard, Mobile Garantie. Projet Sayo a inauguré dans le mois de mai 2021. Ça fait partie de l'effort que le président a fait, le gouvernement a fait, dîner pas a fait, pour nous capables de faire de loi arriver le plus près possible à Kaimounio. Lundi le plus près possible, les cas à Kaimounna, les cas à travers un relais de kiosques d'eau traitée. Au niveau de 3 dans 5 gros réseaux, ça m'a parlé de Tubiouan, m'a parlé de Les Anglais, m'a parlé de Port-à-Piment, de l'eau arrivée dans le robinet Kaimounio. Mbaye PM l'a garanti, après que nous finissons de poser 102 km tuyaux en bataille à PM dans 5 communes, eh bien, à partir de la deuxième semaine mois de mai, eh bien, nous allons inaugurer 4 dans 5 infrastructures. Ce n'est pas seulement le département SID qui a bénéficié du travail d'alimentation de l'eau potable, d'après le directeur office régional de l'eau potable et assainissement au RIPA SID. Ingénieur Philippe Eliscor. Le fait qu'on ait même travail, ça y a fini avant longtemps dans le département SIDES, NIP, Grandance, qui sont responsabilités liées. En plus du département du Sud, on a intervenu tout dans le département de la Grandance. On a intervenu au niveau de la ville de Jérémy pour nous réhabiliter le réseau de la ville de Jérémy. Donc on a intervenu tout au niveau du département du Sud-Est, parce que c'est toute région Grand Sud là qui est concernée par. Par projet que Dîner pas réalisé. Gangozi, il y a longtemps que l'a souffert pour l'eau. Et depuis quelques mois, nous commençons avec travaux. Donc, nous installons quand même un système solaire sous Gangozi. Parce que bon source qui t'arrive, mais nous faisons un bon forage, que nous équipons le système solaire, côté n'a pas alimenté toute Bodari et Gangozi en eau potable. Donc, nous allons intervenir au niveau de la vallée de Jacmel. La vallée de Jacmel, encore son bon morceau, grand pile dans le bagage de l'eau, avec appui financier de la Banque mondiale. Donc nous allons aller réhabiliter tout le réseau de la vallée, construire de nouveaux réservoirs qui permettent nous de la vallée d'avoir accès à l'eau potable. Si vous êtes des travaux qui sont en phase de démarrage, c'est quand même à faire année, la vallée a alimenté en eau potable correctement. Projet construction réservoir d'eau dans la commune pour Apiment, pour Salut, Tibiron, Les Anglais, Rochabateau, a réalisé grâce à un financement Banque mondiale
pour un montant plus passer 14 millions de dollars américains. À hauteur de 4,7 millions de dollars américains, que le ministère de l'Agriculture a exécuté dans le circulant Dory, qui du Breil, du 6, qui les Anglais, de profiter de PM, je ne vais pas accompagner pour faire visiter les travaux, avancer les travaux. Et c'est dans le cadre de SAM là, et je pense que les PM finissent garder les travaux au système des Anglais, qui c'était 622 hectares, et réponse que 450 parce qu'il vient à prendre. On a tout fait un digne sur VIA pour nous récupérer le reste de la. Mais parallèlement, le directeur de l'Opato dit, c'est mon Chabato, mais effectivement, c'est mon Chabato. Semaine, ça a 15 jours de là, et avec TAS techniquement, parce que ici, au Chabato, côté de passer là, tu as 75 hectares à causer. Et mon BACA, qui était pris avec le système, ça va reprendre. Et je devine avec nos techniciens qu'on est la manière solaire. Il y a un point pire à la zone Capoisson, où on a fait une prise et pour une barre de l'eau pour nous établir si c'est migration ça. Et c'est là, quel que soit l'effort à Formfel pour nous établir. Parce que les 60, Rochabato, sur la côte sud, il y a deux communes agricoles. C'est Rochabato à les Anglais. Et après, nous, Rochabato, tout après les midi, nous sommes tout partout, même pas quoi la caille. Et moi, il y a des bains, je vais annoncer ou bain menti, mais si vous pas annoncer ou faire, tout le monde est bien content. C'est le gars qui m'a baillé pour le système d'irrigation. Et ici, je pense que très prochainement, on a commencé à un gabionnage pour nous barrer de l'eau, pour tout filtrer de l'eau, aller de l'eau entre les sédiments. Et puis, on a mis une pompe solaire sur lui qui a baillé 75 hectares, même si on a mis une pompe solaire qui a baillé 100, 120 gallons par minute. Je pense que c'est la carousel et je vais me garantir, comme petit gauche à bateau, très prochainement, il faut ça faire pour arroser pleinement. BNDA, c'est vrai, nous, l'IPACO fait assez, tout le monde pas contre BNDA, mais on va prendre commencer avec 12 bacs, c'est bio alcool communal, côté gain de l'eau. Parce que l'agriculture, c'est là, il risque. On ne peut pas bailler un crédit et vous connaissez, on ne peut pas faire du cob là. Fonds bail crédit à un côté, nous connaissons, on ne peut pas faire profit. C'est même genre, au niveau du ministère de l'agriculture, il y a des types en dehors de compte, nous ne pouvons pas rentrer dans le pays encore. Parce que 35% de l'engrais, c'est matière inerte, ça veut dire c'est roche qui l'a d'ailleurs, et puis il y a le pourcentage qui l'a d'ailleurs, et puis petite quantité en grec, avec le sac là, pour planter, faire récolte là par en pile, nous prenons décision de dire c'est un grec chimiquement mélangé. C'est nous, la BND, il y a 12 bacs, comme on a dit, qui est impliqué côté gain de l'eau, parce que premièrement, il faut avoir un cop pour prêter mon nom, et il faut être sûr, le prêter mon nom 100 gouttes, il faut même faire 250 gouttes pour le carré mettre 100 gouttes là. Nous pas quoi comme l'État, nous avons besoin de nous prêts et puis nous connaissons nous pas le pays du cobla. Nous seulement, nous avons aidé nous en termes d'assistance technique, nous avons fait un crédit, mais tout, il faut aider déboucher le marché. Parce que si tout le monde peut être même bagaille, tout le monde gagne qui peut pas venir. Et ça fait ma profite de l'internet pour nous dire nous consommer local. Salut, que nous sommes très endommagés. Depuis après cyclone Mathieu particulièrement, donc faut que m'était vinoué avec Dieu tout ça qui mérite fait parce que grand pile qui fait et puis moi-même personnellement moi remets de l'eau parce que depuis gain de l'eau gain la vie gain manger nous sommes allés pour rapidement là les Anglais en pile culture tout le monde y a planté maïs, pois et patates. Et donc, il faut que je mette à l'ouest parce que tout ça, c'est renforcement capacité de production qui peut mettre l'argent dans la poche et paysan, dans la poche cultivateur. Et ça, c'est important pour nous, pour que dans la cohésion gouvernementale, là, que toute chaîne participe dans l'économie. Parce que à la fin, pour qui est-ce la bonne, c'est pour chaque grain monde, chaque grain individu qui est dans la société. Donc, nous devons venir là aujourd'hui. Hein. Enfin, depuis hier, avec le Premier ministre, pour nous faire tourner dans tout le département du Sud, là, pour nous non seulement évaluer la capacité, garder sa cap fait et préparer nous pour retomber. Yo. Parce que, quoi me souvler, je toujours dit PM ça. Nous ne pas là, mais il y a un jour meilleur qui est. Que nous avons fait visite à l'aéroport et au Kaila. Que nous avons allongé la piste là, pour le recevoir un type d'avion. Donc, restera vous tout à l'heure, je vous ai dit la cohésion gouvernementale. Gouvernement au plus haut niveau a mettre infrastructure, mais c'est pour retomber pour population et pour économie et puis ministère sectoriel lui-même a fait coordination. Donc entre aéroport qui facilite voyageurs venir, entre route cap fait, entre courant cap bail dans population et de l'eau pour arroser jardin et mettre de l'eau potable dans Karimounio, donc supposé nous avons une idée de sacrer cohésion
gouvernementale. Je voulais attirer point sur ça. Et nous-mêmes, nous avons un projet Riyad Sud, en composante dans le ministère du Tourisme. Le moins fait arriver dans le ministère là, nous travaillons sur le projet. Et compte tenu de la situation COVID et Mathieu, nous avons demandé de faire changement dans le projet. Donc, nous faisons que finir, nous avons annoncé déjà. Nous faisons finir avec un recensement de toute PME qui est dans le département sud-là et nous prenons en forme d'appui sous forme de subvention pour énergie et renouvelable, énergie clean, ça veut dire énergie propre, ça veut dire énergie solaire, restaurant, hôtel, en fait, toute PME qui, d'une façon ou d'une autre, participer dans la chaîne tout, et secteur touristique. Ça nous gagne. À l'occasion de 300 ans de savon, nous besoin de l'eau, nous besoin de route, 300 ans de savon. C'est pour ça, c'est la sensation du jour je dis à tout le monde dans la vie. Moi j'y ai, dans 4 mois là, on a fait 300 ans. Nous arrivons, nous avons 10 ans, 10 ans. Depuis sous gouvernement Michel Martelly, qui donc depuis le régime PHTK a monté là, nous-mêmes en savon, nous ne pas changer de l'eau qui coulait dans le robinet. Président de 1h du matin, l'autre jour, lui voye une image de moi, côté le montrer, en savon pour le fait de 300 ans, et que la population a dit, ça nous dit là, il n'y a pas qu'à passer 300 ans en poussière. Les mandés m'vini là, et m'vini là, me rencontrer le comité. Le comité, nous allons parler ensemble pour nous rapidement, dans l'intervalle de 10 jours, qui ça nous a commencé à faire en savon. Pour nous connaître tout, c'est pour une baguette magique, nous allons pauvre. Et puis, bagaille au fait. Près de 12 km route, couille des fondations, nous regarder le Liban. C'est couille de base, je vais mettre sous lui, à couche de roulement. Certainement, je vais avoir une équipe topographe. D'ici 2 jours, je vais venir ici, pour relevé topographique pour me garder l'élévation, pour nous connaître comment on a fait route. Nous parlons d'énergie, nous connaissons comment le président Jovenel, sensible dans le secteur énergie. Moi, attendez ces 3 heures de temps, nous jouons. Qui est ce monde qui a empêché nos gains 18 heures de temps? Quant à l'eau, il y a un problème, moi, qui n'est pas. C'est qu'il y a toute infrastructure, mais la population de l'eau, elle n'a pas de l'eau. Moi, je veux qu'on ait même gens avec nous. Je vais me poser la question ça. Pour qui ça, la population n'a pas de jouer de l'eau? Donc, alors que l'infrastructure là, seulement fait la population jouer de l'eau. Est-ce que c'est un complot? Non, pas qu'on est. De toute façon, moi je viens là, je vais chiter avec le comité. Il faut que nous ayons un groupe de monde. Il faut que nous ayons un monde qui nous a parlé. Bon, en tout cas, c'est un bon monde qui nous a parlé avec elle pour qu'elle porte de l'air. Ministre, nous parlons de l'auparavant. Nous avons changé de problème. Nous avons plus d'unité jusqu'à présent, tout côté, la fonctionner, par un savoir, le machin, pour côté par notre père. Par contre, ministre, nous avons une ambulance qui nous a servi. Jusqu'à présent, par contre, c'est un trafic lié. Hôtel, en savant, nous tellement à l'aise. Commissaire, le commissariat en savant, pour garder des servinois, c'est lui-même qui parle de 6 gallons de l'eau pour le porter pour prisonnier en savant. C'est policier qui est là, c'est eux qui prennent 6 gallons de l'eau pour le porter en savant. Nous avons un cas d'accident qui n'a pas réparé. Nous n'avons pas rien du tout. Nous avons 56% de l'eau en savant actuellement là, 4 toilettes enragées, dans sa chair. Nous parlons de 300 ans. Qui j'en parle de là? Qui j'en parle de 300 ans? Pendant 7 ans, nous ne pouvons pas marcher. Nous ne pouvons pas gagner du tout. Au savon, nous pauvres. L'autre machine, nous avons dans le savon. Mais pour vivre dans la route, nous avons tout le monde dans la machine à abri. Sauf qu'on est à abri. Tout à fait ensemble. Tout à fait ensemble. Ballon, parce que c'est une route qui a brisé. Nous ne pouvons pas gagner du tout. Sauf qu'on fait pour nous. Ouais, sauf qu'on fait pour nous. Au nom du comité du tricentenaire de l'Ansavo, je vous remercie d'être venu
en vue de dialoguer sur la commémoration du jubilé de ses 300 ans pour le mois de juillet 2021. Votre surprise nous prouve que vous comprenez toute l'importance pour notre ville historique et culturelle. De ce fait, Monsieur le Ministre, le comité est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour planifier ensemble sur ce grand événement historique. En quelques mots vibrants de toute l'émotion qui m'étreint le cœur, je vais essayer de faire revivre devant vous celui en l'honneur duquel nous sommes réunis sur l'antique renom de la cité de Fab Nicolas Geoffroy, de Sud d'Attignave, de Sonos et Jean. Monsieur le ministre, le comité Cota est bel et bien légalement reconnu par la mairie, la délégation et le diocèse d'Ainé, en vue de mener toutes les démarches nécessaires pour faire cette célébration une réussite parfaite. Les faits historiques qui ont marqué leur valeur culturelle de la commune, en sa terre de renaissance et d'espérance, fondée en 1721 par les religieux, la congrégation jésuite placée au cœur d'Ainé, le tribunal civil créé par l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le tribunal du 20 mai 1805 par la Constitution impériale. 216 ans d'existence, le tribunal, Monsieur le Ministre. La belle cathédrale Sainte-Anne en 1740. Grotte à carreaux se trouve à Joly, deuxième section. La tombe de Gérin, ministre de la guerre de l'indépendance, se trouve à Lansavo. Ministre, Lansavo toujours traité en parents pauvres, humilié, méprisé, bafoué, population en Savoie, mandé au ministre, trois cadeaux. De l'eau potable, revendication à fête du roi. Depuis 10 ans, nous avons des problèmes avec. Route petite rivière de Nipasavo, bon Dieu, il faut sauter là, le ministre, où est-ce qu'il a passé là, dans route là. Bétonnage de certaines rues de la ville, ministre. Courant cap sorti petit toit en passant à Bakounoir rivé jusqu'à Kaouk, c'est toujours même commune non, et la porte d'entrée de la commune de Lansavo c'est à Kaouk pénis mon Lansavo ministre a très reconnaissant ministre là dedans nous compte qui va le travail comme secrétaire sous dit nous toujours attendre sous Guinée sur toute radio nous qui travaille ou fait dans port du paix non coup de durée. Nous demandons, président, pour saluer le président Jovenel Moïse pour nous, pour saluer le premier ministre, là, tout le gouvernement pour nous, pour dire, il y a un cerveau dans ce reste là, l'attendre un peu dans ce reste là. Ministre, nous connaissons atterri. Atterri sur un cerveau. Fait 4 mois ça, lui-même, un projecteur sur un cerveau net. Il y a une ancienne ville de la République qui n'a pas disparaître. Dans quatre géographies pays. Je prétends pour me dire, monsieur le président, et donc vous me dédiez ça là tout à l'heure. Je vous dis mardi, il y a 5 heures dans le grand route là, je ne vais pas venir ni en Savo, ni en balle, ni en pique-nique, ni au anti-jeune Guéguen, même béni, suivant la recommandation président, l'autre président, venir garder ça qui vous fait en Savo, le cafété. 300 ans belle et non vini là non vini et puis dans route là nous commençons à descendre nous évaluer travail et nous entrer dans la ville là et pour nous venir parler là nous rencontrer avec jeunesse qui a même doléance avec notre loi dans le pays moins dit l'état dans le pays fait tout ça pour le faire dans le domaine de loi à pile gros réservoir. En pile gros pompe, en pile réseau, en pile génératrice, mais rivé par la population en l'eau pour vivre, jamais. Moi, je me demande, est-ce que son complot lié? Est-ce que tant le président Jovenel allait pour dire finalement il y a pas de l'eau? Et je suis content les moelles, ça m'a dit, hein, rivé là,
je vais le premier bagaille, il dit, c'est de l'eau. Et encore, je vais chita avec le président, je vais chita avec le premier ministre, pour nous connaître comment nous résoudre le problème de ça. Ça qui fait la population, Port-au-Prince pas gagner de l'eau, population ni pas gagner de l'eau, population grandance pas gagner de l'eau, population capoie pas gagner de l'eau, alors qu'il y a un paquet de cobres qui investit dans le domaine. Un paquet de millions, en pile millions, mais juste pour faire gros net de cobres, alors la population toujours souffrir pour le problème d'eau potable. Ça, mon frère, il faut nous prendre le problème là. Si le monde n'est pas un problème tout, pour dire, pour tout le monde dit pour qui ça, tout comme ça investi dans le domaine ça, tout le monde a plein pour le problème de droit. Moi, je dis, doléances. La privée dans le président, la privée dans le premier ministre, et la privée dans l'équipe, mon dit n'est pas autre. Dans le domaine courant, nous prenons nos débats zones, courant 18 heures de temps par jour. Par contre, ça devient, on prend note, et je fais une balade avec nous là pendant un autre là. Je vais parler à DG et DH pour voir quel problème qui gagne dans le domaine courant qui fait nous pas jouer de nous. Donc, on est comme un président sensible au domaine de l'énergie électrique. Là. Donc, moi-même, encore, je vais porter de l'énergie Bali, mais pas oublier le domaine ça. Tout ça, c'est moi qui lui baille l'autorité ça pour défendre les pour lui. Bah, non, garantie et après ça. Quand il y a un problème route, là, et a priori, c'est pour lui me dire qu'on dans 10 jours. Et mon collègue, mon Boisvert, hier, j'ai été gagné et on a parlé avec lui. Il était dit qu'il va faire virement sous compte plusieurs directeurs départementaux, dont directeur départemental Niplan et directeur départemental et Sud-Lan, parce que c'est lui qui a pris Asphalt-Lan. Et pour me prendre jumelage, c'est-à-dire développement synergie entre NIP et Sud pour nous gagner en ou bien pour nous faire ou bien. Nous gardons les premiers instants. Globalement, le coût de fondation il est à 70% correct. Mais nous avons bien côté que nous avons pour nous faire retouche pour le traité. Après ça, c'est pour nous mettre le coût de base pour aller. Mais, grand l'autre question, tout le monde gagne des travaux. Par exemple, le travail de drainage qu'on fait dans quelques zones qui ont besoin, nécessité, forcément traversé. Ouais, de traverser, nous avons plus de traverser pour nous faire, et puis nous avons un côté pour nous faire des murs, des murs de soutenement, parce que d'un côté pour nous, la poupée, des bails comme ça, il faut que nous adressions tout le bagage. Okay. Mais par la suite, toute cette question, bon, le ministère dit comment on a fait, c'est en partenariat, la mettez-nous ensemble avec le département sud. Et puis, alors, c'est d'après un produit et en OBO, et puis, on garde ça comme ça. Mais alors, le ministre Bailly, plus ou moins que dans 10 à 20 jours, tu vas prêter. Nous-mêmes, on a prêté très proche du ministre parce que nous-mêmes, nous gagnons, on ne veut pas nous, pour nous faire passer, mais on n'a pas d'équipement, nous, que nous gagnons. Quelques petits problèmes, l'équipement qui est en panne, des pneus qui manquent, matériel pas de pneus, et puis ça que nous gardons l'équipement tout, qui est disponible là, pas que moi, pas qu'à permettre que nous entendons ça, pour nous adresser la question de l'équipement, avec le ministre pour nous, qui ça que nous avons besoin, qui a pu nous joindre à titre de renforcement, que ce soit matériel, que ce soit personnel, pour nous permettre que 300 ans, et que tu as supposé célébrer 26 juillet, voulez une belle et bien réalité que le gouvernement ou maintenant que le gouvernement nous a fait tout ça nous connaît pour nous aider à respecter pour mettre ça pour les faire. Nous c'est un monde qui pas jamais négligé tant moins pour moi courir quel que soit côté que nous connaît président pour mal dire 300 ans en Savoie faut gagner au bagaille qui fait dans en Savoie les dernières fois que me rencontrer à président c'est Miragouane côté que tu viens garder installation et pour plante électrique que va mettre Miragouane là pour servir Miragouane païen avec petite rivière et bien me joindre nous dit président nous pas capable en route ça pour 300 ans ça vous fait sans route ça pas arriver réaliser et même côté à président il prend téléphone il relève le ministre rapide pour lui mettre main dans route en Savoie pour le fêter 300 ans et bien je vous dis à ces démarches ça qui permettent nous avons des ministres
travaux publics ensemble avec nous dans le cadre d'activités pour route Petite Rivière en Savoie vienne en réalité. Je vous remercie, ministre, parce que vous venez là. Je vous remercie encore parce que le peuple en Savoie a besoin de présence. Il a besoin en confiance. Parce que moi-même, pas de mettre en confiance à 100%. Mais lors là, on dit à 80%, il y a une confiance qui est établie. Maintenant, le rété pour que nous ayons action, que nous connaissons détermination, volonté pour que le travail ça il est fait. Maintenant, nous avons parlé comme nous sommes fait avancer sur la question de l'eau. Question de l'eau, nous travaillons sous en pile, nous faisons en pile effort. Et le président de la République, là, en février, 1er février, il est venu ici, il a demandé à ce que Dinepa fait des bouchées doubles pour permettre le problème ça de résoudre en savon. Mais on connaît. Question crise, problème politique, tout le monde de bagaille ça, vient compliquer la situation dans mes noms. Dans la montée descente du NEPA, à travers le directeur Guito, nous venons arriver faire une première étude qui était montante et minime par rapport au travail qui est pour fait. Eh bien, après l'autre étude que nous faire, montant vient monter bien haut, côté que nous te joignons seulement la coopération suisse qui te répond pour aider nous. Les montants viennent monter et plus que 500 millions de dollars américains. Ils ont obligé de voyer le projet en Suisse pour que les jeunes validation au comité qui est responsable pour ça. Même Jean Gadi et Cour supérieure des comptes la Caïnou. Eh bien, c'est le retard ça qui gagne dans la question validation et la Suisse là qui fait le projet à Libanco qui a démarré selon toute information que j'ai gagné ensemble avec le directeur d'INEPA. Je pense que la présence sous là a permis que le message arrive dans les oreilles du président de la République là pour demander à ce qu'il y ait un effort plus qui fait pour que le travail ça, même lorsque, on dit même lorsque, parce que nous ne pouvons pas être nous mentir, à 4 mois, nous connaissons des travaux qui sont extrêmement difficiles pour les arriver dans, à terme. Mais quand même, la population absente, là, ils sont ouf, là, ils ont gardé, ils ont le travail là, ils commencent. Le président m'a dit pour me mettre projecteur sur un savon, qui va le fêter 300 ans. Et il a remis la route nationale, la route qui est en savon, et terminé, nous réaliser. Et c'est un oui, tout, qui a un délégué en dîme là, qui a un nombre de 3 oui. Un nombre de 8, mais on va prendre tout un seul coup, on va prendre un seul coup. Pour nous voir comment nous sommes capables de réhabiliter avant de faire ça pour nous. Et pendant que nous venons en tout, nous avons délégué à dire non, c'est une ville dans le pays qui est plus safe, pas de désordre là-dedans. Je dis bravo pour ça. Déjà, moi, il a inauguré un commissariat. Sous-commissariat ou commissariat? Commissariat. Un commissariat de Flambant Neuf. Et directeur départemental, il prend là. La police, bien sûr, il prend un petit mot. Et qui j'en ai fait pour garder la ville et safe dans la dimension de la et commissaire là tout peut-être l'autre commissaire dans l'autre zone qui a suivi sous lui pour nous avoir un pays safe. Donc c'est là que je passe tout. Je vais réunir avec le comité 300 ans pour être capable de dire non tout besoin. Et d'ici la semaine qui a venu, nous avons une plante asphalte qui au Kailan, qui a préhabilité là. On va le faire enrober la donne, ça nous est asphalte là, pour nous capables de qu'il est. Et d'ici, et je dis à combien de masse? 9 masse. 9 masse, et d'ici 15 ou après, juste après 15 masse, ils sont capables de commencer au Tiopou. Bon, moi je dis merci à président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, qui permet maintenant nous de recevoir visite ministre des Travaux publics là. Non. 300 ans ville en Savoie que nous allons célébrer, nous gagnons en pile problème sur le plan infrastructure que nous avons besoin de résoudre. Eh bien, président, vous voyez le Libanon matin pour que nous voyons comment nous allons résoudre nos problèmes. Nous connaissons tous les problèmes que nous allons résoudre, mais le plus gros problème que nous gagnons, c'est route qui sortit de rivière entre en Savoie, que nous avons besoin qui va permettre tout le monde qui a sorti, quel que soit côté, de rentrer dans la ville en Savoie sans problème. Et même Jean-Ministre Sotili, et en Savoie, son ville paisible, en ville sécuritaire. Et nous ne pas dire seulement en Savoie, nous avons dit le département des NIP, ça fait plus qu'un an, c'est un côté qui n'a pas rien de drôle qui a passé la donne.
délégué départemental là, avec le directeur de la police nationale, les commissaires du gouvernement, nous fait tout ça que nous créer une synergie entre nous-mêmes pour que nous croyons les bandits. Nous ne pouvons pas les bandits chansons pour venir dormir, même une nuit dans le département ça. Et nous capables d'apprendre que nous côté tirer les chalons, son côté que pas passer une semaine pour ne pas bloquer dans Miragouane. Et bien depuis arrivé moi dans cette délégation de NIP, ça est fini. Pas un chalon encore qui existait. Alors pour nous dire à tout pays, à, qui gens que nous-mêmes nous mettons tête nous ensemble, la police pas dans Hingang avec délégué pas dans Hingang avec commissaire du gouvernement, nous mettons nous ensemble, nous résolvons le problème avec faible moyen que nous gagnons. J'en ai regardé ça, bâtiment, ça, c'est un bâtiment qui est rénové complètement grâce à l'appui de NUD, Programme National des Nations Unies pour le Développement, et assisté de BINU, qui c'est Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti. C'est grâce à ce support et à financement qui fait que le travail, ça, lui-même, nous devons concrétiser aujourd'hui. Oui, inauguration en fait. Bon, nous avons dit que la situation est relativement calme au niveau du département de NUD, grâce à une synergie qui est créée entre la justice et la police. Le travail a continué, la population est satisfaite de ce qui est réalisé pendant la dernière année. Ça, le travail a continué. Bon, j'aime de son travail qui est fait, une synergie qui est développée entre la justice et puis la police. Bon, Bandio, on l'a métier que vous choisir. Un département que vous oublié depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il a oublié le département ça. Donc il a contraité en parent pauvre. Je dis toujours ça. Pour qui ça, monsieur qui est dans la République de Port-au-Prince, il a traité notre ouest en parent pauvre. Et tandis que les gens qui étaient vedettes dans le combat de 21 là, qu'après la mort, c'est dans notre ouest qui Rochambeau retire chapeau. Il dit cessez le feu. Ça n'a pas qu'à comprendre. Exercice ça. Car voilà, mon tété bail là. Donc, on croit que là, c'est à considérer. Mais malgré ce champ de masse là, on va avoir un statut qu'à voilà. Pour qui ça? Il y a bon traitement ça. On va avoir un Christophe, on va avoir une Dessaline, on va avoir une Pétion. Ou à venir tousser, etc. Mais pour qu'il sorte par une statue, on buste qu'après la mort, sous chaîne masse là. Bon, président Jovenel Moïse remettait, président Jovenel Moïse remettait nord-ouest dans le cap géographique pays d'Haïti. Qui je le mettais parce que la faire visibilité du focus par rapport à ça, la réaliser là, dans le département nord-ouest là, spécialement dans le port du Père, côté de Mété, nord-ouest en chantier. On commençait avec Kafou Joff en sa fouleur, longtemps, pour venir Port-au-Prince, c'était crève-cœur. Pour venir Port-au-Prince, on a passé 10 heures de temps en route. Et route ça a coûté la vie à des milliers de personnes, des centaines de véhicules. Hein? Cause route là pas de bon. T'es bon mon la crête là, c'était problème. Donc, qu'on y a venu au moment, on va faire port de paix Port-au-Prince en 3 heures de temps, 3 heures et demi. Moi c'est deux bagailles depuis un petit monde son imtende. Jésus a vini et puis route Kafou Joff en sa couleur. Jésus pas jamais mis pied sous la terre. Route la pas jamais fait tout. Ça fait vini croire que Jésus vient la retourner. Parce que route là, dans le niveau côté route ça y est là, moun déjà tout ça déjà. Et wap fait environ 3 heures et demi pour venir Port-au-Prince. Vous ne pouvez pas passer même une journée
surtout les de l'autre qu'on descend. Qu'on l'autre bagaille encore. Si le président Préval de regretter mémoire t'a fait 17 ponts sautis dans la Tibonite, spécialement dans Goumon, 17 ponts. Mais dans 17 ponts qui jetaient sous ravine rivière, je pense que 17 ponts, si on te fait 1 km chaque bord, il est à bord 34 km. On y a où là, c'est fini. C'est ça qui n'est pas bon dans le gouvernement qui passe. Il n'y a pas fait continuité, vrai. Hein? Il n'y a pas fait continuité. Tant que si ça a quitté le pouvoir, l'autre l'a continué, c'est comme s'il y avait une pointe, l'autre l'a commencé à comme on donne. Hein? C'est ça qui fait nous dans l'état ça. Et m'a toujours demandé, monsieur qui se dit opposition, faut que nous fassions trêve. Rejoindre le président Jovenel pour nous faire tirer cela ensemble. C'est pas retirer Pio pour me mettre pied. Politique, ça n'a pas bon, monsieur. Moi, je que politique pays d'Haïti vient faire des choses, malgré les gens combien de diplômes, ils ont fait agrégat, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait doctorat. Monsieur, je ne peux pas comprendre ça. C'est ça que fait l'autre pays. Yo. Aux yeux des autres pays, ils regardent nous très mal. Parce que nous ne pouvons pas entendre nous. Regardez la République voisine là. Hein? Ouvrir la caméra, je regarde un reportage, soit sous Télé-Guinée, je ne sais pas exactement. Je regarde un reportage, ça fait longtemps. Je ouvre la caméra sous la République dominicaine. Je regarde où est qui Jean, où est la soie, République dominicaine, qu'on vire le soir Haïti, où est le jour et la nuit. Et tandis que c'est l'île d'Haïti, ça vient arriver là, la pluie vient tomber là, mon cher. Ça permet que la population en souffre par rapport à l'asphalte qui jetait sous avenue Trois-Rivières là. Et oui, Richard Brisson, côté carnaval là, t'es passé là. Côté parcours carnaval là, t'as fait là. C'était, Jean Mdoula, c'était correcteur. Le lable est tombé, inondation, moun se retire bay nan pio pour circuler. Mais zone ça yo. Hein? Zone ça qu'on y a là, on a parlé là, mourir les la porte de paix, yo dit, moun yo circuler soit dans zone ça. Et tandis que le travail a continué, pas prêté là non, l'a continué. Parce que oui qui est en chantier, ou bien oui Mopa, ou bien oui traversé Yo Kale, oui Saint-Montfort qui soutient dans zone de Mélisse, pour moun qui compte porte de paix, le travail a continué. Donc, c'est ça que fait me dire que pour tout le monde mettre ensemble, mettre tête ensemble, ce n'est pas le président Jovenel seulement qui a fait. C'est nous tous qui pouvons mettre tête ensemble. Et pour nous protéger là où il y a tout, où il y a pas jeté fatra, non, là où il y a pas jeté fatra, les lapins ont tombé, nous avons pris un gros sac fatra. Il a jeté dans le canal, canal bouché, et puis l'autre de l'eau a venu gonfler qu'on y a, inondation. Doit rentrer la caille. Mais il y a un travail qui a refait encore. Parce que je profite de saluer le directeur, alors, ministre TPTCA, ministre Nader, ah, son 8 travailleurs, ministre Nader, mon cher, applaudissement. Bravo. Kembe là, Kembe fait m'palage. Je profite de saluer tout. Et directeur TPTCA, tout. Angelo, tout ça que tu réalisé, tu mets tête ensemble, tout ministère même qui te met tête ensemble avec le président Jovenel qui pour te réaliser programme carnaval ça et qui vient rester pour nous là depuis plus d'une quinzaine d'années, pas un mois bah ça, même 20 ans même, a fait si carole, bah glacé. Qu'on y a nous 18 têtes en courant. Vous comprenez? Moun yo gen accès qu'on y a fait ti business yo, vente ti bay glacé, ti carole, etc.
tout ça, c'est le président Jovenel Moïse. Depuis 1948, nous avons bout usine là. Et m'a profité occasion tout pendant m'a parlé là pour me dire directeur général EDH là et directeur présumé pour le focus sur le département parce que là monsieur pas de machine actuellement là il te dit pas de machine et monsieur qui a fait ligne de yo pas de machine focus sur ça pour nous s'il vous plaît directeur présumé donc l'on regardait depuis 1948 hein. Depuis 1948, sous président Dumas s'est estimé, Boutizine là, mais qu'on a président Jovenel vient retirer la population de l'Ouest là. Un problème courant. Et la balle courant là, 24 sur 24. M'a dit population nord-ouest là, était en confiance, encadré président pour réaliser ça le réaliser là-haut. Promesse l'été fait nous pour le capitaliser. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour le capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.